Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je suis trop contente. Aujourd'hui c'est un vlog pas prévu du tout. J'ai été invitée par Friligain à La Gaillette, à l'entraînement du RC Lens. Donc je vais pas parler longtemps en intro parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Juste au programme, on va déjeuner là-bas, visiter La Gaillette, assister à l'entraînement des joueurs. Et puis après ben, seulement faire des photos etc. avec eux. Donc voilà, c'était juste la petite intro. Là j'ai pas grand chose à dire, je vous laisse, on se retrouve là-bas. Salut! C'est bon, on est arrivé. C'est bon, on voit le panneau. Je suis dégue que j'ai oublié mon maillot à faire signer. On est parti tellement vite et voilà. On arrive tout pile déjà. Merde, la caméra elle vient jamais sur ma tête. C'est bon, on est arrivé. Je vais vous faire visiter. Rentrez avec moi. Bonjour. Voilà. Là, on va aller manger. Bonjour. Allez-y, avancez. Ça, c'est le cep de La Gaillette. C'est un vrai lieu de vie ici. Il y a toujours du monde. Là, la configuration est particulière parce que il y a le stage senior en ce moment. Donc là, tous les enfants vont bien midi. Les gens, c'est le coup sur la grande table ou même sur la table d'à côté s'il n'y a pas assez de place. Bon appétit. Toujours des gros plans. T'en as pas marre? Donc là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a les jeunes qui s'entraînent et avions. Là, ils vont s'entraîner là dans un deuxième temps, mais avant, je sais pas si vous allez voir, ça va être là-bas. De toute façon, je vous montrerai tout après. Là, on est bien. Je sais pas où, mais il est où. Ah, attendez. C'est tous les jeunes en fait qui ont été formés ici. Et tous les ans, c'était les plus performants. Alors, il y a des noms complètement disparus parce qu'ils n'ont pas réussi à devenir pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une équipe de formation où il y a 40 jeunes, on sort 2-3 pros. Et des pros qui vont devenir connus encore moins. Donc là, je pense qu'il y a quelques noms qui vont vous parler. Gael Kepita, Raphaël Varane, Deltarat. Marc Pereira. Benoît Sioux, Benoît Coteau. Bonjour. Bonjour. Alors, l'amphi de La Gaillette. Alors vous pouvez le voir sur les interviews, la courbe de presse d'avant-match qui a mis deux joueurs avant-match. Donc leur synthèse prend la parole devant quelques journalistes, en général 15 ou une vingtaine. Mais c'est aussi un vrai lieu de vie parce que par exemple en ce moment on a les stages senior. Donc il y a des enfants qui sont en demi-pension, des enfants qui sont en pension complète, donc le soir il faut aussi qu'on puisse les occuper, donc on leur met des films, on leur met des matchs. Tout à l'heure, je parlais du club d'avion, donc ça c'est leur terrain à eux. Donc ça c'est leurs installations faites à avion. Et tout le reste, c'est au RC Lens. Donc nous, le bâtiment est ici. Donc nous, on est au niveau de l'aile, là, de l'entrée. Les deux terrains, qu'on a vu tout à l'heure, c'est les deux là, où ils vont s'entraîner. Les féminines s'entraînent ici. Ça c'est le stade François Blin d'avion, où c'est la M3 maintenant qui est là-bas. Ça c'est une plaine qui peut servir à. C'est un rectangle, ça peut faire des terrains, ça peut faire des animations, pas mal de choses. Et ça c'est le dôme, donc c'est un terrain synthétique couvert où souvent les jeunes s'entraînent là-bas. Le sissi foot, tout le monde sait ce que c'est que le sissi foot. On fait pour les malvoyants, donc on a une équipe au RC Lens. Et les pros s'entraînent là-bas quand les conditions sont impossibles, c'est-à-dire terrain enneigé, s'entraîner sur la même pelouse sur laquelle ils jouent le week-end. Et puis l'organisation du bâtiment, donc vous voyez, l'aile que vous voyez c'est l'aile administrative, donc en fait c'est le secteur sportif, le responsable du centre de formation, les éducateurs,
donc ceux qui s'occupent des jeunes, le directeur sportif, la salle de la signature. À l'étage, c'est le service juridique, communication, ceux qui font les vidéos, vous voyez sur les réseaux, informatique, comptabilité, le président, le directeur général. Là, oh, il y a le contre-jour. On va aller voir les jours s'entraîner. Let's go. Bon, j'ai sorti le bonnet parce que j'ai pas très très chaud. En fait, on dirait qu'il fait bon, mais le vent est frais. Bonjour. 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 C'est le club de ceux qui sont drôles. Bonjour. Thomas, tu signes quand à Lens, toi? Jamais, je suis nul. Dommage. Normalement, j'avais cours à 12h30. Normalement. Bon, de base, ils devaient aller s'entraîner sur un autre terrain, mais comme il est 12h10, peut-être qu'ils vont s'entraîner que là. Du coup, j'avais pas trop filmé pour filmer sur l'autre terrain, mais j'ai peut-être filmé un peu là au cas où. Reste là, ouais.
alors oui, ça c'est quoi tes points d'agro plan là? Arrête-le. Du coup on attend que les joueurs ils arrivent là. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Enfin ils vont venir hein, mais ils se reposent après l'entraînement. Mais j'essaie de demander son maillot. Arrête de faire ça. Vas-y, c'est bon. Je te fais plus de gros plans. Je stresse. C'est la panique. Elle panique, la grande. Ça va, j'ai osé demander à Massadio. Pour l'instant, c'est pas encore bon, mais j'ai espoir. C'est la fin du vlog. Là, on repart de la Gaillette. C'était trop, trop bien. Merci à Free de nous avoir invités. Franchement, c'était grave bien. J'espère que le vlog va vous plaire. Là, il y a du monde devant la Gaillette qui attend les joueurs. J'ai pas vu tout le monde parce que ben, y en a qui passaient un peu vite, donc j'avais pas non plus les interpeller. En tout cas, merci à Free de nous avoir invités. C'était trop, trop bien. N'hésitez pas, je fais la petite pub du coup, à télécharger l'application Free Ligue 1 si vous, voyez, si vous voulez revoir les buts gratuitement, voilà, c'est gratuit, et les extraits des matchs aussi. Voilà.